Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 23 de Solo Monde, j'espère que vous allez bien, comme vous le voyez je prends de l'avance, hein, parce que moi je pars en vacances, je suis déjà sûrement en vacances quand cet épisode sort, attendez. Ah non, je suis déjà rentré hier, mais voilà, j'ai pris quand même un petit peu d'avance sur les épisodes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dernier talisman qu'on va aller chercher et après on va voir ce qui nous attend. Peut-être que la déesse va nous apparaître devant nous, je n'en sais rien. Bon bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude pour soutenir la série, vous qui la suivez toujours. Cette série de l'amour que j'ai pris du plaisir à créer jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, alors, on va se préparer un petit peu, mais on a un souci. On a un problème, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait j'ai trois bouquins, vous le savez, à chaque fois qu'on a trouvé un talisman, on avait un bouquin, donc ça c'était le premier qui nous envoyait à des coordonnées bien spécifiques, ok. Là c'est le deuxième qui nous envoie aussi à des coordonnées spécifiques, ok. Et le troisième qui se présente comme ça avec des coordonnées spécifiques. Mais on est allé où la dernière fois? Vous en souvenez-vous? Parce que moi pas du tout. Voilà, actuellement je suis un peu en mode, je dois aller à quelles coordonnées en fait Donc voilà, on va sûrement, du coup, bah celui-là, on va l'éliminer parce qu'on sait très bien que bah, là, on y est déjà allé, ça c'est sûr. Mais il faut savoir lequel nous emmène au troisième. Alors, je regarde un petit peu niveau stuff, ce que ça donne. J'ai encore pas mal de torches, donc ça c'est cool. On a encore quelques petites potions, donc ça va le faire. On a du rhum qu'on va d'ailleurs prendre maintenant pour régénérer les cœurs qui manquent. Hop, voilà, on va s'en garder un en moins. On va mettre la petite potion ici et... Bah, je sais pas, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? J'ai mon stuff qui va pas tarder à broc, donc ça commence à me poser un petit souci. Est-ce que j'ai pas... ouais, putain, j'ai vraiment pas grand-chose. C'est vrai que je suis niveau 54 et que j'ai que très peu enchanté mon stuff. Est-ce que je me ferais pas un stuff secondaire? Est-ce qu'on en a besoin avant d'aller là-bas? J'espère pas. Je pense que ça va passer, en vrai, je pense que ça va passer, qu'il va pas broc. Comme à chaque fois, en soi, quand on va dans un donjon... On va chercher le talisman direct, on fait pas de l'exploration de tout, donc en soi c'est censé le faire. Alors on va aller dans un premier temps en 2655 moins 13 1350. Je crois que ça me dit quelque chose ces coordonnées. Je vais peut-être tester l'autre avant. Je crois que ça me dit quelque chose, mais 3320. Ah non, c'est celle-là. Voilà, c'était 100 moins. Voilà, c'est sûr, c'est celui-là. Sûr à 100%, c'est celui-là, mesdames et messieurs. 2655 moins 1300. 2655. Moins 1300, un truc comme ça, non? Oh putain, j'ai une mémoire des chiffres, moi. 1350, ok, c'est bon. En vrai, ça va le faire. Hop, normalement, c'est bien celui-là. Hop, le verre de rhum, on s'en fout. Ça donne quoi, un petit peu, nos graines? On va aller voir un petit peu avant de partir, parce que ça... les derniers épisodes étaient un petit peu agriculture, hein. Que, bien sûr, survie, agriculture. Oh, ça pousse, hein. Regardez comme ça pousse, c'est beau. C'est beau. Notre petite graine, bien sûr. Ah, c'est vrai que j'ai mis ça, de trucs qui font couler l'eau. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire de l'agricraft aujourd'hui. Donc, attends, qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi c'est la nuit, moi, quand je veux partir, là? On va faire le chemin de nuit, on s'en fout. On est des thugs, on en a rien à foutre. Donc, on a dit 2655. On est en 2300. Donc, c'est plutôt par là-bas. Attends, non, c'est plutôt par là-bas. Ok, par là-bas. Hop, 2300. 400, ok. Et après, on n'aura plus qu'à aller tout droit. Donc ça, c'est plutôt cool. Niveau coordonnées, on est plutôt bien. Hop. On va tuer les squelettes. Vu que j'ai un arc infinité. On en profite. Va-t'en. Merci. Ah, what? Allô? Comment ça? Comment ça, je me suis pris une flèche sur moi? Hein? Ok, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ok, donc là, on est presque en 2600, et du coup, il va falloir aller en moins 1350, et du coup, c'est dans cette direction-là. Donc, allons-y. Avec ça, c'est bien, c'est qu'on va très très vite. Meurs. On va très très vite, donc ça fait plaisir. Ah, j'ai encore un peu mal à la gorge, vu que j'enchaîne les tournages, bien sûr, mesdames et messieurs, pour vous proposer un contenu toujours plus de qualité. Hop. Et... Oh merde! Il y a un cactus, mais je suis pris. Ah, il y a un chevalier noir là, je sais pas quoi là. Ça c'est bien, ça donne du bon stuff ça. What? C'était quoi sa posture là? Ah, ça par contre ça pique hein! Ça pique hein, ok? On se calme. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous là? Vous voulez pas vous calmer un peu à un moment? Oh! J'aime beaucoup ce petit biome là, bien sympa. Hein. Petit Mesa tout rikiki là. Hop! Alors, il y a une montagne. Comment on fait? Est-ce qu'on va pouvoir passer? Est-ce qu'on va tomber dans la lave? On va tester, on verra bien. Bim! Huche!
Très bien. Oh, c'est beau ici aussi. Ce mode biome aux plantes, je pense que c'est l'un des meilleurs biomes qu'on peut ajouter à Minecraft parce que je trouve que Minecraft manque d'une diversité de biomes, grande diversité de biomes. Et là, vraiment, on peut voir qu'il y a énormément de choses intégrées dans le mode. Donc, après, de toute façon, ça m'énerve ce truc. On peut remarquer que Minecraft s'ouvre au mode public de plus en plus parce qu'en fait, je sais pas si. Allô? Non! Non, non, non! Ah, oh, on peut arrêter comme ça. Ok. Je survis pour l'instant. Mais what? What? Est-ce qu'on peut? Bon, on peut. Oh là là! Le pire truc! J'ai trouvé un moyen de m'en sortir, mais. Elle est bloquée, regardez. Les sables mouvants! Mon dieu! La pire invention! Bon, je dis. Méchant. Je disais Minecraft public, Minecraft où tout le monde a accès, s'ouvre énormément au mode. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une news qui est sortie. Maintenant, pour les gens qui ont la version Windows 10, PS4, etc. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Je me décale un petit peu de la route que je m'étais imposée. Mais vous en avez pas marre? Que je m'étais imposée parce que... Il y a un temple, là. On va aller voir ça. Il y a plein de sable au mouvement. Et donc oui, s'ouvre au mode parce que maintenant dans le l'e-shop, je crois, de cette version, la Bedrock Edition actuellement, je crois, la mise à jour pour ceux qui jouent sur PS4, Switch, etc., console, quoi, bah, vous avez accès à... Attention qu'il n'y ait pas une plaque de pression. Vous avez accès à Spam's Hoverscraft, apparemment. Alors je sais si c'est vraiment le mode ou si c'est une map spéciale, etc. Mais ça a l'air... C'est un donjon! C'est un donjon du désert. Alors, je vais juste aller voir, vite fait. Vite fait, si c'est un vrai donjon ou si c'est un truc spécifique avec un seul étage. Mais ça peut être stylé. On explore. Mais vous mourrez à un moment ou... Hop, il faut aller casser dedans la spawner là. Ah putain, mais barrez-vous, j'étais pas venu pour vous faire à la base. Hop. Hop. Je vais mourir. Allô, je meurs. Ils sont violents ceux-là. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont comme dégâts, mais ils sont violents. Hein. Alors là, normalement, il y avait un coffre. Ah oui, d'accord, bien sûr. Mais d'où tu spawns, toi? D'où tu spawns? Il me faut des blocs. Hop. D'où il a spawné? Hop. Il y a pas un autre... En fait, surtout que j'étais pas venu faire ça. Hein. Genre, super. Passer un bon moment. Tout ça pour qu'il n'y ait rien en plus dedans. Donc ça doit être juste un... Je pense qu'il n'y a qu'un étage. En vrai, je pense qu'il n'y a qu'un seul étage. Oh, il y a une tête de Wither, là. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. On en a besoin, surtout, pour un objectif, je crois. D'avoir toutes les têtes de mobs. Donc là, on est plutôt content d'avoir celle-là. Mais en tout cas, c'est pas mal. De toute façon, on le verra sur la carte. On pourra revenir si on veut faire ce petit temple. Justement, l'attaque de la pyramide, qu'on pourrait l'appeler. Mais on a découvert. Attention. Comment ça? Va-t'en. Je sais pas si on peut les monter, ces trucs-là, mais ça m'a... Il y a tous ces petits XP, là. Out. Ah, il y a une maison au chocolat. Maison chocolat. C'est vrai que je vais pas du tout aux coordonnées. Non, encore une fois. Non. Oh là là, c'est le pire truc. Bon, du coup, je disais des trucs et j'oubliais. Voilà. Ouais, je parlais voilà que dans la Bedrock Edition, on peut prendre Pam's Hoverscraft et du coup, ça s'ouvre au mode. Mais comme on peut le remarquer sur la 1.12, la 1.13 surtout, on va dire, on va pas se mentir, hein, mais ce qui est sorti dans la 1.13, c'est ce qu'on avait déjà en modé, hein, qu'on se le dise très clairement. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils prennent des idées au mode, mais tant mieux, hein, parce que c'est là qu'il faut prendre des idées, parce qu'il y a certains modes qui sont vraiment très complets. Mais je pense que pour les ajouts dans Minecraft, faut pas s'attendre... Il y avait un mec, là. Faut pas s'attendre à des ajouts du genre machine, du genre Ender IO, etc. Ça n'arrivera jamais. Jamais. C'est où ils améliorent leur système de redstone, et c'est très bien. Mais sinon, il n'y aura jamais... Attention qu'il n'y ait pas une sorcière. Ah, il y a plein de bouffe, ici. Ça, c'est quoi? 1000 chèques, 4 points de nourriture. Bah, on va prendre des... Ah non, les cookies au chocolat, c'est pas terrible. Hein. On va prendre le gâteau. Moi, j'aime bien les gâteaux.
Ouais, les gâteaux, c'est bien. Voilà. Et si on peut peut-être manger? Non, c'est bon. On peut les casser, non? On peut pas les récupérer. Ok, très bien. Donc voilà, ça s'ouvre. Et moi, vraiment, si un jour ils peuvent faire un update, parce que déjà, les océans sont très diversifiés, ça, c'est très cool. Mais j'ai pas encore testé. En vrai, j'ai pas encore testé parce que j'attends de le tester avec vous en série. Mais j'ai hâte de voir ce genre de truc, par exemple. Genre, des biomes totalement différents. Tu fais 20 blocs, t'as un truc différent, genre t'explores. Là, sur ce mode, on pourrait marcher des heures et pas voir la même chose. C'est trop cool. J'aimerais bien voir ça dans Minecraft Vanilla, en vrai. Mais voilà. Du coup, les coordonnées. 2655 moins 1300. On n'est pas très très loin. On est à 300 blocs. Donc ça va. Mais c'est bien, ça nous a fait faire un petit truc. On a perdu 10 minutes, mais on explore aussi en même temps. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, bien sûr. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui sortira, ce qu'ils ont annoncé pour la suite. Mais ça a l'air de bien avancer. Je trouve que Minecraft prend des bons trucs. C'est sûr que le côté PVP a un petit peu été biaisé avec l'arrivée de la 1.9 qui avait totalement changé les choses. Il n'y a pas un truc qui rajoute des cœurs. Je sens qu'il n'y a pas une méchante là. Pas un truc qui rajoute des cœurs, c'est chiant. C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit bizarre. Ah, c'est toi là! Meurs! Ah, le bruit est dégueulasse! Alors, je suppose qu'il est au village. Hein. Ouais, c'est. Ah, bah, c'est. Oh, c'est un temple du désert. Oh, c'est un temple du désert comme on a pu voir avant. Oh! Oh! Intéressant. Très intéressant, mesdames et messieurs. C'est très très cool. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé en tout cas l'ambiance qui change un peu sur ce donjon, qui est un petit peu le donjon final de cette quête qu'on a mis un moment à faire quand même. Hein. Ça a été long. Ça a été très très long. Ok, là, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on va aller voir le village? Non. Vous inquiétez pas, population. Nous allons sauver votre village. Ok. Très bien. Bah, c'est parti. On va vider notre inventaire des conneries qui servent à rien. On va se mettre des blocs. On va se mettre ça. Ça, on n'en a pas besoin. Non, c'est ici que je veux prendre ça. Hop, ça, c'est ça que je veux faire ici. Donc ça, on n'a pas besoin. Je vais prendre du soin instantané. Ça, on n'en a pas besoin. Et je pense qu'on est bon. Allez, on est parti. On est parti. Je vais utiliser plutôt cette bouffe pour l'instant. Parce que utiliser un truc qui rajoute 10 de bouffe, c'est pas très, très utile. Alors, talisman. Faut regarder si c'est l'escalier déjà. Est-ce que l'escalier est proche? J'ai pas l'impression. On connaît bien maintenant les donjons. Il n'y a pas trop de soucis. Est-ce que... Là, il est ici. Ok, attention, toi. Meurs. Alors, est-ce que ça va être tout le long comme ça? Moi, ça ne me déplairait pas. Ça ne me déplairait pas que ce soit dans cette ambiance un petit peu désertique. Alors, là, je vois pas d'escalier. On va choisir cette option-là. Bah, si l'escalier est là, non? Alors, en vrai, on pourrait glitch et aller jusqu'en bas directement. Mais vous savez que c'est pas trop mes intentions. Moi, j'aime bien hop, hop, faire bien les donjons. Alors, toi, je suis désolé pour toi, mais... Hop. La concentration est présente, hein, mesdames et messieurs. Hop. Hop. Attention, attention. Ils ont l'air plus badass ici. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression qu'ils sont bien plus forts. Donc là, il va falloir bien prendre... C'est quoi, ça? Acier sombre. Ça a l'air stylé. Je sais pas ce que c'est. Ok, donc là, ces tombes-là, on sait que c'est bien galère. Est-ce que là, il y a l'escalier? Bah, attends. J'ai l'impression que ce soit ici. Mais partez! 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 Vous ne passerez pas! Ici, là, genre... Oh, en vrai, ça fait trop... Vous ne passerez pas! Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai regardé le Seigneur des Anneaux il y a pas longtemps, c'est pour ça. Eh ben non! T'es deg, hein? T'as cru foutre la merde? Bah non. Ah ouais, cet escalier, là. Hop. Oh. Hop. Putain d'archer squelette. Putain de bébé zombie! Hop. Voilà, les archers squelettes, c'est chiant et relou parce que c'est des archers. Ils sont à distance. Mais allô? Comment ça? Tu apparais d'où, toi? Hop. Hop. Allez, tuez-les tous. Qu'ils meurent. Quand on leur tranche la tête. Je sais même plus ce qu'elle dit.
Je suis pas un grand fan d'Alice, hein, en vrai. Hop. Hop. Ok. C'est bon, là? Vous êtes calmé? Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi ça a spawné. Hop, voilà. Calme-toi. Oh, force 2, c'est bien, ça dure combien de temps? 1 minute 30. En vrai, ça peut servir. Hop, 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 hop. Épée en pierre. Des torches aussi. C'est vrai que j'ai pas mis de torches depuis tout à l'heure. Normalement, je suis très réactif sur ce genre de choses. Mais arrêtez au bout d'un moment. Hein. Il va falloir arrêter. Hein. Voilà. Vous êtes trop nombreux. Hop. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'escalier. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait des escaliers. Je sais pas si vous avez vu des escaliers, vous, mais moi, en tout cas, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est la merde. Pour l'instant, c'est plus la merde qu'autre chose. Après, comme d'habitude, hein, il y a plusieurs accès. Mais vous arrivez d'où, vous? Il y a des spawners. Il y a plus de spawners, hein, j'ai l'impression, dans cette version de donjon, qui est un petit peu différente. Mais t'arrives d'où? De où? Allô? Ah, mais là, ils sont masses, là. Mais tu viens d'en haut. Je comprends pas. Il y a un truc qui est différent des autres, c'est qu'il y a plus de spawners dans les murs et du coup c'est relou. Hop, il n'y a pas de spawner visible. J'en ai un qui va me tomber sur la gueule encore. Il y a beaucoup de bruit là. Hein. Ok, j'ai vu, il est à droite le spawner. Ok, il est là. Voilà, on le voit très clairement. Celui-là, on peut pas le louper. Hop. Hop, tuons ça. Ok, c'est bon. L'accès est ici. Ok, l'accès est ici. On va mettre un petit peu des torches. Voyons voir. Alors là, c'est la partie un petit peu défoncée. Mais c'est cool, hein. Regardez, ça a vraiment une gueule différente hein, quand t'es dans le désert. Donc ça, c'est grave cool. Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait un passage secret, tu sais. Et il m'attaque avec la pelle. Lâchez votre pelle, monsieur. Posez ça. Posez ça, ça ne va pas. C'est des araignées. Hop. C'est un peu très la concentration. Et ça a spawn ici, putain. Ça a déjà spawn. Hop. Ok. Toi, tu te casses. Toi aussi. Ok. Ah, et là, il doit y avoir des spawners. Dans les tombes, il y a toujours des spawners, normalement. Ok, et là ça fait vraiment, vraiment temple du désert, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tombes, etc. C'est vraiment dans un style très, très désert, donc c'est cool. Ok, elle est tombée. Ok. Donc on voit le niveau du nether, justement. On pourrait y aller direct, en vrai. Hein. On pourrait y aller direct. Je me pose la question si je devrais pas y aller de suite. Non, c'est cette potion de force. Alors par contre, on te dire que mon inventaire, ça pue, là. Actuellement, ça pue un peu. Trop de choses. Hop. Ça vire, ça vire, ça on garde. Ok. Ok, ici. Ah, voilà. Ça, c'est bien ça. Hop. Va-t'en. Ok. Bon, du coup, on a la lenteur. On va voir de l'autre côté si on n'a pas une meilleure vision sur ce qui nous attend plus tard. Du genre, la suite du donjon, s'il vous plaît. Ça, c'est chiant. Des fois, les escaliers sont bah voilà, très proches, comme ils peuvent être très très loin selon les levels. Hop, ici. Donc là, il faut voir un truc, bah voilà, un truc rouge. Très clairement, on est déjà au niveau inférieur et c'est très bien. On a pu le rusher facilement. Alors, il faut voir des petites plantes. Est-ce qu'on voit des petites plantes? Puis ici. Alors, on va se balader parce que celui-là, c'est vraiment le niveau le plus hardcore. Ah oh, bah, c'est là. J'ai de la chance. Sûr qu'il n'y a pas de spawner caché. Voilà, la dernière amulette. Puissance 4, Flame Infinité. J'ai mieux, donc... voilà, et là, c'est une flotte des atropodes. Au final, ça va. Pas besoin de prendre ce qu'il y a là-dedans. Vide mixture. Écoutez. Bah, très bien. Et du coup, je n'ai pas de coordonnées. Je n'ai pas de sens à ma vie pour la suite. Super. Merci, DS. Du coup, je vais vite le mettre dans le backpack. Et nous avons les trois amulettes qui sont là. Les trois talismans de la reine de la nature. Dans la mère nature. Alors là, je suis pas passé par là. Là, c'est sûr. Donc, je suis forcément arrivé par là.
Voilà. Ici, donc là-haut. Je me souviens plus trop. Vite, il faut sortir. J'ai peur. Je suis arrivé de là. Ah là, il y a problème parce que je me rappelle. What the fuck? Pourquoi ça a explosé? Ah mais please, il y a toute l'armée. Alors je me rappelle pas d'être venu d'ici. Ça c'est sûr parce qu'il y aurait eu des torches. Mais arrêtez au bout d'un moment. Ah, il y a un Wither. Je prends une petite potion de force là. Ok. Il y avait un Wither. Je l'ai one shot carrément, tu sais. J'ai l'impression d'être arrivé par ici. Non? Est-ce que... Pas du tout, je suis pas arrivé par là. Je suis arrivé de là où il y a la torche. Non, bah là-bas. Mais va-t'en toi. Je suis pas arrivé de là. Ah si, en fait, je suis pas allé par là. Ok, c'est bon. Je me repère. Ici, c'est... Bah, c'est là, en fait. C'est bon. Tu peux vite mourir et perdre des vies, hein, dans ce genre de donjon. Mais ils ont l'air sympas, hein, ceux de... comment ça s'appelle, des déserts. Genre, je sais pas. J'aime bien l'ambiance, en fait. Tu te crois un peu dans Indiana Jones, tu vois. Ta-ta-la-ta, ta-ta-la. Pa-pa-la-pa, pa-pa-la-pa-pa. J'ai récupéré l'amulette. Allons-y. C'est parti. Suis-moi, demi-lune. Allez. Bon, du coup. Ici. Ta-da-da-da. Nous pouvons sortir et rentrer à la maison. Parce que, surtout qu'elle nous a pas donné de suite à notre quête, en fait. Genre la méchante. Et oh, s'il te plaît. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est l'éléphant. D'accord, pardon. Je suis encore sous force. Meurs. Voilà, très clairement, c'est tout ce qu'il fallait retenir de ces petits passages ici. Ça, hop, on met dans le backpack. Il me faut mon machin. Très bien. Allez, la maison, du coup, c'est par là-bas. On y va. Bon, encore un épisode qui s'est bien passé au niveau des donjons. Au final, les donjons, on arrive quand même à bien les gérer. Par contre, au moment où j'aurai plus mon armure, je sais pas si j'en aurai d'autres à faire, mais ça va être compliqué. Donc, on verra. On verra, on verra. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Hop. Très bien. Là, on était déjà passé là-dedans, je crois. Après, c'est plus par là-bas. Je fais des petites erreurs, bien sûr. Là, c'est l'autre temple qu'on avait vu. On pourra venir se le faire en entier aussi. Mais c'est vrai qu'au final... Mais non, mais please, je t'ai vu en plus. Je t'ai... Quoi? Ah, l'eau, là, le tue. Ah, par contre, ouais, les mobs, c'est relou. Hein. C'est relou, hop. Est-ce que ça marche, ça? Non, mais please, va-t'en. Il m'a remis dedans. Connard d'archer, là. C'est à cause de lui, hein. Alors, je sais pas comment on fait à vraiment se sortir de là. S'il y a un moyen plus rapide que casser le bloc. Ok. Ah, casser le bloc, ça va. En vrai, il faudrait une pelle. J'ai pas une pelle. J'ai pas de pelle. La pelle. Hop. Et mangeons ça. Bon, hein, on va y arriver. Hein. Mais à quel moment tu me fais pas de plus de vie que ceux qui étaient dans le donjon, en fait? Genre, s'il te plaît, quoi. Genre, tu te prends pour qui au bout d'un moment? Frapper le grand aventurier que je suis, c'est une erreur. Tu meurs direct, instant, genre. Genre comme ça, pas du tout. Adieu, au revoir, je me casse. Je rentre chez moi. Ma petite maison sur ma petite colline, avec mon petit champ mignon. C'est vraiment pas mal. Allez hop, adieu. Ah, là on reconnaît qu'on arrive chez moi. Ça on le sait, là quand tu vois ces petites fleurs bleues, la petite lavande. C'est quoi ça? Oh, c'est juste un wolf, un W wolf. Il y avait un W devant. Vous savez, ma première mort, c'était avec ça. Mais please, qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais laissez-moi tranquille. Je sais que nous sommes dans un monde hostile, mais quand même. Ils sont tellement masses. Ah là 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 là. Vite, maison, vite. Nous allons valider la quête et un nouvel objectif de valider. Je crois qu'on en sera qu'à deux. Bon, après, si on a vraiment besoin d'une nouvelle vie, mesdames et messieurs, on se pose très bien la question, parce que là, au bout d'un moment, on en a 13 actuellement. C'est vrai que, vous avez vu, j'ai pas oublié, hein, l'overly, il y est, hein, ça, voilà. Bon, bref, en tout cas, mesdames et messieurs, ben, je vous souhaite encore de bonnes vacances. Normalement, moi, je suis rentré, on reprendra les lives dès demain, voilà, normalement, ça se passe bien, ce sera comme ça. On verra, parce que j'aurai encore sûrement beaucoup de trucs à faire à mon arrivée. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, et ciao, bye bye.